الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amen. Chers frères et sœurs en islam, chers aux auditeurs, aux téléspectateurs de la radio-télévision Bonferré, ravi de vous retrouver en cet après-midi de ce vendredi 16 novembre 2018 dans le cadre toujours de votre émission préférée Jeunesse Active, l'émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe Radio et Télévision Bonferré. Dans la même dynamique, comme annoncé la semaine passée, nous allons continuer avec notre thématique. Chose promise, chose due, nous avons avec nous sur ce plateau M. le Président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, que le numéro passé, nous l'avions annoncé de faute de calendrier de son agenda, il n'a pas pu être de nôtre. Aujourd'hui, comme il l'avait promis, il est là avec nous sur ce plateau. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi de m'avoir invité. Merci bien. Deuxième invité, nous avons avec nous Dr Khalilou Seydou. Il est sociologue à l'Université d'Ottawa. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, avec vous, nous allons passer en revue ce qui fait l'actualité dans notre capitale, Niamey. Il s'agit des deux mesures prises par la délégation spéciale de la ville de Niamey qui concernent le port obligatoire du casque et de la ceinture de sécurité, mais également l'interdiction de la consommation de la chicha dans les lieux et places publiques de notre capitale. Amis jeunes, une chose est de prendre une mesure, l'autre également, c'est de veiller à son application. Alors, plus d'un mois après la prise de ces différentes mesures, qu'est-ce qu'il en est en termes de constats sur le terrain? L'applicabilité, l'effectivité, l'application effective de ces mesures sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, les voies autorisées sont là. Sous un angle sociologique, nous avons avec nous un sociologue, je l'ai annoncé, également la voix autorisée en question, Monsieur le Président. Il est également avec nous sur ce plateau. Alors, pour planter le décor, je vais vous inviter, chers téléspectateurs, ensemble, nous allons suivre ce reportage que nous avons d'ailleurs fait passer la semaine passée. On revient sur ce même reportage avant de passer avec nos invités. Ensuite, on revient sur ce plateau. 1er octobre 2018, c'est la date à partir de laquelle le port de casque et celui de la ceinture de sécurité devient une obligation dans la ville de Niamey, respectivement pour les motocyclistes et automobilistes. C'est donc pour constater l'effectivité de l'application de cette injonction de la délégation spéciale que le premier responsable de cette institution a effectué cette sortie sur les différents carrefours de la ville. Le constat est satisfaisant, même si quelque part des travaux restent à faire, selon Mokhtar Mahmoudou. Le constat est très satisfaisant. Nous avons remarqué ensemble avec les membres de la délégation spéciale, avec le commandant de la police routière de la ville de Niamey, nous avons fait le tour de la ville. Nous avons remarqué que la population de Niamey a respecté de façon très majoritaire cette mesure, notamment au niveau de du port de la ceinture de sécurité pratique. Tout le monde porte sa ceinture de sécurité, y compris les taxis. Et d'ailleurs, de passage, je tiens vraiment à féliciter les taximans qui se sont vraiment investis à respecter ça, eux et les clients. C'est vraiment encourageant. Bon, nous avons remarqué justement qu'à ce niveau, il y a quelques-uns qui n'ont pas porté les casques. Là, on sanctionne, bien entendu, mais les gens sont en train de se mettre au pas progressivement. Voilà, nous allons intensifier encore, en tout cas, la communication, l'information, la sensibilisation, mais aussi la sanction. Moi, je dirais que la sanction aussi, c'est une action de sensibilisation. Bien, alors, Monsieur le Président, je commence avec vous. Sous ces images, on vous voit aux toutes premières heures de l'entrée en vigueur de ces mesures de port obligatoire du casque et de la ceinture de sécurité. Alors, plus d'un mois après, le constat sur le terrain en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le bilan, il est satisfaisant. Cette intervention, c'est une semaine après l'application et les choses n'ont fait que s'améliorer progressivement. Aujourd'hui, il est évident, il est remarquable sur le terrain que le port de casque et de ceinture de sécurité s'est généralisé dans l'ensemble de la ville de Niamey. Cela est à l'actif des populations de Niamey. Moi, je les félicite, je les remercie. La population de Niamey a montré qu'elle est disposée à se discipliner,
Nous avons eu une comparaison un mois avant l'application de la mesure et un mois d'application de cette mesure. Les conséquences, les résultats sont là. L'hôpital national nous a fourni, par exemple, pendant le mois de septembre, ils ont enregistré 185 cas d'accidents, dont 44 traumato-crâniens. Et pendant le mois d'octobre d'application de cette mesure, ils n'ont enregistré que 109 cas d'accidents et que 2 traumato-crâniens. Et la semaine passée, j'avais suivi à la télé certains journalistes qui étaient partis au niveau des urgences. Ils ont remarqué que le dimanche dernier, et les médecins des urgences étaient là, se reposaient. Il n'y avait pas de malades ni d'accidents. Vous voyez un peu, je pense que les résultats ont commencé déjà à sortir à la suite de ces mesures. Et les populations sont en train de comprendre que ces mesures visent tout simplement à améliorer leur cadre de vie. Il est important dans une ville, dans une capitale, que les gens se sentent en sécurité. Et je pense que et que les gens ne se mettent pas en danger. Le fait de ne pas porter de casque, vous mettez en danger, mais vous mettez aussi les autres en danger. Le fait de séparer sur le port de ceinture de sécurité, vous êtes en danger, mais vous mettez aussi l'autre en danger. Et je pense qu'il y a une dynamique qui est là, que, en tout cas, nous, au niveau de la ville de Niamey, nous allons poursuivre. Et je pense que dans cette dynamique, nous avons besoin de tout le monde, de tous les acteurs. Et c'est ce travail d'implication des différents acteurs que nous sommes en train de faire pour arriver à faire de la ville de Niamey une ville modèle sur le cas de la discipline. Justement, vous parlez de discipline, Monsieur le Président. Alors, quand on voit l'objectif assigné à cette mesure, vous l'avez évoqué tout à l'heure, améliorer le cadre de vie des populations, entre autres, en d'autres termes, la protection des usagers, des populations de la ville de Niamey. Alors, est-ce qu'avant la mesure d'imposition, l'entrée en vigueur de cette imposition, est-ce qu'il y a un travail préalable en termes de sensibilisation, de sorte que la population puisse se faire sienne ces mesures? D'abord, ce qu'il faut dire, cette mesure, nous ne l'avons pas inventée, nous l'avons juste rappelée. Elle existait. Tout le monde, sans exception, savait quand on monte une moto, on doit porter son casque. Quand on est dans une voiture, on doit avoir sa ceinture de sécurité. Et pendant longtemps, effectivement, les gens ont pris l'habitude du non-port de casque, du non-port de ceinture de sécurité. Et c'est pour cela que, avant l'application de cette mesure, nous avons communiqué là-dessus, et sur la presse. Et nous avons mis même un crieur dans un véhicule qui a tourné, plusieurs véhicules qui ont tourné dans la ville de Niamey, avec prioritairement les zones où il y a des regroupements humains, comme les marchés et comme les places publiques, pour passer au maximum l'information. Et je pense que ce travail préalable, nous l'avons fait, mais nous avons continué à faire ce travail pendant toute l'application de la mesure, que nous continuons actuellement. Nous avons utilisé aussi les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour communiquer, pour passer l'information qu'à partir de cette date, il n'est plus permis de circuler sans casque, il n'est plus permis de circuler sans mettre sa ceinture de sécurité. Et nous estimons que nous avons suffisamment communiqué. Mais cela ne va pas dire qu'aujourd'hui nous allons arrêter de communiquer là-dessus. Je pense qu'il faut poursuivre. Il y a des habitudes qu'on... ça a mis du temps au niveau des populations. Il faut aussi que nous donnons le temps de les amener à changer progressivement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la majorité ou tout le monde porte le casque ou la ceinture de sécurité que nous allons dire, bon, on a réussi, on laisse les bras. Non, je pense que, à mon avis, les gens se continuent à porter parce qu'ils savent que nous sommes derrière. S'ils ne mettent pas, on va les sanctionner. Il faut que cela s'inscrive dans la durée pour que l'habitude s'instaure chez tout un chacun. En ce temps, nous jugeons opportun, en tout cas, de lever un peu le pied sur la pédale. D'accord. Monsieur le Président, on a compris le message. C'est le spectateur. Je rappelle que vous pouvez, vous également, participer à cette émission en nous envoyant un message au 93 01 34 55. 93 01 34 55 pour poser des questions ou apporter votre contribution au débat.
Alors, docteur Kalilou, nous avons écouté le président. Il y a une mesure qui est là, qui est prise. L'objectif est bien fixe, il est bien connu. Est-ce qu'au-delà de cet objectif, on peut mesurer un impact social de ces différentes mesures? Merci de me donner la parole. Merci, monsieur le président. J'ai remarqué que dans la ville de Niamey, j'aime bien observer quand je circule. Il est rare de voir un motard qui n'a pas de casque. Ça, c'est quand même un fait. Chaque fois, j'observe, je regarde, etc. Et cela veut dire bien que, quelque part, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils veulent le faire, mais quand même, les gens font. C'est une preuve de discipline, comme l'a dit M. le Président. Et la deuxième chose, c'est que on s'est dit quand même que il y a quelques personnes qui n'en portent pas. Et pourquoi eux, ils ne le font pas? Est-ce parce qu'ils ont la possibilité de passer dans les mailles du filet, dans la police? Est-ce parce qu'ils peuvent négocier? Est-ce parce qu'ils pensent que ce n'est pas nécessaire? Ou quoi? Donc, ce que j'ai constaté, c'est que quand même, le phénomène a pris de l'ampleur. C'est partout. Au départ, les gens ne pensaient pas que ce soit possible parce que bon, y a beaucoup de raisons qui sont évoquées. Mais là, ça existe. La chose, c'est que les autorités, c'est leur obligation de protéger les populations, même quand elles ne pensent pas que c'est nécessaire. Parce que les populations peuvent ne pas penser que ce soit nécessaire, mais c'est leur obligation de le faire. Ouais. Maintenant, entre la mesure et l'application, c'est deux choses. Ce qui est sûr maintenant, à l'heure actuelle, on constate que le port du casque est un phénomène social, on le constate. Le port de la ceinture aussi de sécurité, on constate, c'est vraiment rare. Maintenant, jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où? Parce que très souvent, ce qui fait que des mesures comme ça tiennent, il y a la communication. Moi, personnellement, j'ai suivi la communication, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de messages, des petites séquences où on montre des gens qui sont dans des véhicules avec ceinture. Ça m'a beaucoup frappé. J'aime bien observer, c'était très bien. Et je n'ai pas écouté sur les ondes, je n'ai pas eu le temps, mais en tout cas, cet aspect-là. Et il y a eu la communication, donc avant, maintenant, ce qui peut faire en sorte que ceci ne puisse pas continuer, il y a des paramètres. Il y a la routine. Moi, je me souviens bien, au début des années 2000, on avait fait la même chose. Personnellement, je me suis débrouillé à acheter des casques, parce que je passe tous les années, je crois 2003-2004, il y avait eu cela à Niamey. On avait cherché nos casques, puis après, tout le monde l'a oublié. Et puis voilà. Et puis le contrôle aussi. Oui. Quand on a la possibilité d'échapper, on peut toujours ne pas faire. Justement, on va en revenir. On va revenir justement. Monsieur le Président, je reviens à vous. Quelles sont les mesures, les moyens que vous avez déployés pour assurer l'effectivité de ces mesures, l'application effective, je veux dire, de ces mesures-là, les moyens que vous avez déployés sur le terrain? Les premiers moyens, c'est la communication, c'est la sensibilisation. Et aujourd'hui, déjà, le simple fait que la majorité porte, cette majorité qui porte en même temps message à l'endroit de ce qu'elle ne porte pas. Ça, c'est déjà un grand pas. Maintenant, les récalcitrants, et bien entendu, nous avons développé d'autres moyens. Et c'est la force. Nous apportons des outils financiers pour appuyer la police, pour recadrer, pour amener. En tout cas, ceux qui ne veulent pas respecter cette mesure à rentrer dans les rangs. Et ça, ce travail, vous l'avez remarqué sur le terrain. Oui. Et que ce soit en journée et même la nuit. Parce que nous avons remarqué que beaucoup ne portaient pas de casque la nuit. Oui. Vous allez trouver souvent quelqu'un sur sa moto, au lieu de mettre son casque, il met le casque devant et il conduit. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Ça, c'est un indicateur fort qui prouve que l'individu ne porte pas le casque parce qu'il pense que c'est pour son bien, mais il porte le casque parce qu'il a peur d'être sanctionné. Ça veut dire que celui qui a son casque devant sur la moto, dès qu'il aperçoit un policier de loin, il va le porter. Ça, c'est pas bien. Cela nous interpelle et doit nous dire... Aujourd'hui, nous avons un travail de fond à faire. Et c'est ce travail de fond que
nous allons poursuivre encore dans la communication, dans la sensibilisation. Et bien sûr, derrière, la police sera déployée constamment sur le terrain, en journée comme en nuit, en tout cas pour amener les gens vraiment à respecter cette mesure. Il est important, comme a dit le sociologue, jusqu'à quand ? Et il faut tenir dans le temps. Il ne faut jamais lâcher, parce que tout simplement la majorité porte, sinon dès qu'ils constatent qu'on se retire, il y a un petit retrait, les anciennes, les mauvaises pratiques vont revenir. Et nous n'entendons pas vraiment baisser les bras sur cette mesure. Parce que tout simplement, sur ces questions de mesure, il y en a plein d'autres à prendre et appliquer dans la vie de Niamey pour que nous puissions être dans une société organisée, une société responsable. Et je pense que ces premières mesures préparent le terrain pour les mesures qui vont se poursuivre dans notre capitale. D'accord. Vous avez évoqué un aspect très important, Monsieur le Président, le fait que un usager, un motard, porte le casque par peur d'être sanctionné. Parce qu'il y a le policier, on craint le policier ou la police de manière générale. On craint les sanctions, en fait. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut être une sorte d'entrave à l'objectif assigné à la prise de ces mesures-là? Non, pourquoi pas? Vous savez, il faut amener la réflexion à l'échelle de l'homme, de sa famille. Vous voyez, un peu dans l'éducation, parce qu'il a dit tout à l'heure, nous, en tant que responsables, nous avons l'obligation de protéger les populations, qu'ils le veuillent ou pas. Cette population peut ne pas comprendre à l'instant T que cette mesure est pour son bien, mais il faut que nous amenons les individus, les populations, à comprendre progressivement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur bien. C'est pareil dans l'échelle de la famille, dans l'éducation de nos enfants. Les enfants, ils ont envie de faire tout ce qui leur passe par la tête. Ils ont envie qu'on les lâche. Mais aujourd'hui, les parents les encadrent parce que les parents savent ce qui est leur bien. Je crois qu'il faut amener la réflexion à ce niveau. Nous devons juste être persévérants. Nous ne devons jamais baisser les bras parce que nous avons la responsabilité de la ville. Nous devons assumer cette responsabilité-là. Et devant les hommes, mais devant Dieu aussi, c'est très important. Sinon, nous rendons compte à Dieu aujourd'hui. Si nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour que notre société puisse vivre convenablement, pour que notre société puisse être bien, nous avons la responsabilité morale, non seulement de prendre ces mesures, mais de faire en sorte que ces mesures soient appliquées. Et nous allons nous donner les moyens pour... D'accord. Docteur, les mesures qui sont prises, les moyens d'application de ces mesures, est-ce que vous pensez que c'est des moyens efficaces à l'application de ces mesures? Premier jour de l'application de la mesure, j'avais publié sur Facebook. Mon problème n'est pas l'obligation de porter la ceinture de sécurité, parce que personnellement, je la porte depuis 2008 en permanence. C'est le premier geste, quand je rentre dans la voiture, c'est de mettre ma ceinture de sécurité. C'est en permanence. Je pense que je n'aurai pas la chance d'être attrapé par un policier sur ce regard. J'ai dit, mon problème n'est pas cela. Mais le problème, c'est que souvent, les mesures offre des occasions pour d'autres Nigériens de s'enrichir sur les dos des autres. Et je le sais. On a des possibilités de contourner aujourd'hui parce qu'on peut négocier. Je ne sais pas, c'est surtout sur ce plan qu'on aimerait savoir ce qui a apporté de nouveau, parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, quand la police nous arrête, bon, en tout cas, c'est des habitudes, on peut négocier. Je n'ai pas de papier, je peux négocier. Peut-être le casque, je peux négocier, etc. Quand on peut négocier, alors qu'on est et on enfreint la mesure, et voilà, c'est-à-dire qu'on peut tout le temps essayer de ne pas être dedans, parce que certains se disent, bon, le port du casque, c'est un peu gênant, etc., les gens ne veulent pas faire, mais c'est surtout cet aspect. S'il y a la possibilité qu'il n'y ait pas possibilité de négocier, c'est un aspect qui est extrêmement important, ça peut aider à aller. Deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est éviter la routine, parce que très souvent, chez nous, quand on commence quelque chose, après, on l'oublie. On se rappellera encore longtemps après. Puis, voilà, donc, comme il l'a rappelé, ce n'était pas une mesure. Lui, il n'a fait que rappeler. S'il ne l'avait pas rappelé, il n'y aurait pas le port du casque. Donc, il faut être permanent dans les actions. Quand on prend une décision, être permanent là-dessus. D'accord. Donc, les deux aspects sont des aspects extrêmement importants, à mon avis. Et puis, maintenant, l'éducation. Parce que c'est une éducation qui fait qu'on peut faire quelque chose soi-même
par soi-même, sans avoir à craindre quelque chose ou quelqu'un, parce qu'on le sait. Juste pour vous dire, moi personnellement, j'ai vu mon ami, mon camarade de chambre à la cité, mourir sur le pont par un choc. Il est mort sur le coup en laissant deux enfants. C'est un choc. Chaque fois quand je passe sur le pont Kennedy, ça me rappelle, ça me revient à l'esprit. Personnellement, j'ai eu un accident en 2010. Heureusement que je portais la ceinture de sécurité. C'était un choc frontal violent. Quand on n'a jamais vécu cela, on ne l'a jamais entendu. Souvent, voilà tout ce qu'on dira, ça nous dirait. Et c'est ce rôle d'éducation qu'on doit faire pour accompagner les populations, leur faciliter le port du casque et aussi de la ceinture de sécurité. Monsieur le Président, revenons toujours aux mesures. Alors, la semaine passée, vous n'étiez pas là. Nous avons quand même donné un avant-goût sur ce même thème. Alors, nous avons reçu des témoignages faisant cas de manque de professionnalisme de la part des hommes déployés sur le terrain. Je vais parler de la police ici. On parle de manque de professionnalisme. On constate que les éléments s'adonnent à une certaine pratique, notamment de raquettes, si on peut le dire. On t'arrête, tu n'as pas ton casque, tu n'as pas ta ceinture. Facilement, tu peux passer avec un billet de 2000 francs. Également, on constate des courses-poursuites. Est-ce que c'est ce manque de professionnalisme qui est reproché à vos hommes? Vous êtes informé de cela? Quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre pour quand même assurer l'application de ces mesures dans sa juste valeur? Bon, moi, je pense que ça, ce sont des détails. Vous savez, dans un mécanisme, tout n'est pas parfait. Je ne dis pas que tout est parfait et je ne dis pas non plus que tout le monde est parfait. Une chose est sûre, moi je sais qu'on a une police quand même responsable. Et une police qui fait un travail remarquable, un travail difficile. La police travaille dans des conditions très difficiles. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour améliorer leurs conditions de travail pour qu'ils puissent servir aussi la population de Niamey. Maintenant, s'il y a des écarts qui sont constatés par-ci par-là, l'un de l'autre, chaque fois, nous sommes en permanence en contact avec eux. Et s'il y a des situations qui ne sont pas bien que nous remontent, nous partageons cela avec leurs supérieurs et qui ramènent à l'ordre. Mais de façon générale, moi, je trouve qu'on a une police qui fait un travail remarquable que nous devons encourager. Mais il faut poser aussi la question de l'autre côté. C'est pour les populations. Mais pourquoi on vous demande, si vous avez porté votre casque, vous n'avez pas négocié X, Y. Si vous mettez votre ceinture de sécurité, vous n'avez pas négocié. Ça vous coûte quoi de porter votre casque ou de porter votre ceinture que de passer de façon répétitive à payer des amendes? Je crois qu'il faut voir la question globalement. Les gens, c'est trop facile de se plaindre. Mais il faut se remettre aussi en cause. Je crois que dans le cadre de la corruption, la peine du corrompu est égale à la peine du corrupteur. Donc les personnes qui vous rapportent ça, mais il faut leur demander pourquoi elles le font. Ils ne sont pas obligés de le faire. Il faut juste respecter la mesure. Donc c'est pour vous dire que ce sont des détails sur lesquels nous, on ne va pas se limiter à ces détails-là. Nous allons faire ce travail. Monsieur, il faut prendre ces choses en compte pour améliorer le travail. Mais ce sont des détails qui ne doivent pas nous retarder et nous bloquer dans l'avancement du travail. Dans l'avancement du travail. Je vais apporter tout à l'heure, je n'ai pas très bien répondu à la question sur la sanction. Parce que à un moment, certains, ils portent parce qu'on les sanctionne. Ou bien parce qu'ils savent qu'on va les sanctionner. Et je disais qu'il y a eu une mauvaise habitude qui a pris du temps à s'installer et que nous voulons changer. Il faut absolument qu'on se donne le temps. À mon avis, je suis certain, c'est naturel, le sociologue est là, il peut, je dis ça sous son contrôle. Je pense qu'au fil du temps, quand on va suivre, encadrer la population pendant des années, l'habitude du port de casque va être automatique, systématique. Les gens seront plus tard mal à l'aise quand ils ne portent pas leur casque. Les gens seront plus tard mal à l'aise quand ils ne vont pas mettre leur ceinture de sécurité. Il faut absolument que nous faisons cet accompagnement pour amener ce changement dans le mental des uns et des autres. Une fois que dans le mental il y a eu ce changement, je pense qu'on n'a plus
plus besoin de courir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, tout à fait. On l'a remarqué. Monsieur le Président, pour finir avec cette question des mesures d'accompagnement, on a remarqué l'instauration ou bien cette mesure de port obligatoire des casques et de la ceinture de sécurité également, comme le sociologue l'a tout à l'heure évoqué, a servi à profiter à un groupe, notamment les commerçants. Le casque qui coûtait 4 000, 5 000, aujourd'hui vous partez sur le marché, on vous vend un casque à 8 000, 10 000 francs. Est-ce que de l'autre côté, vous avez pris des mesures également pour faciliter l'accès de ces casques aux usagers? Alors, les mesures, vous savez, dans ces genres de situations, c'est comme les périodes de fête. Vous allez remarquer, aujourd'hui, vous partez acheter une pintade, c'est pas le même prix à la veille d'une fête. Il y a la surenchère parce qu'il y a une demande forte. Je pense que le commerce a ses lois selon les situations. Mais nous avons fait autant qu'on peut pour encadrer cela. Mais malgré... Parce qu'il faut remarquer aussi que lorsqu'on a pris cette mesure, on a donné quand même un certain temps aux gens pour l'application. Mais tout le monde a attendu au dernier moment pour respecter cette mesure. Cela crée une affluence dans les commerces face à la rareté des casques ou bien à l'expression de besoin qui a trop monté. Il y a eu quand même une surenchère. Mais aujourd'hui, je pense que ça s'est stabilisé. Ça s'est stabilisé, bon voilà, progressivement. Voilà, est-ce que là, vous ne pensez pas qu'il fallait aussi que les autorités puissent agir dans ce sens pour éviter la surenchère, justement? Mais c'est ça que je vous expliquais. On avait discuté avec les responsables des commerçants pour qu'ils fassent. Parce que, vous savez, dans notre ville, la question du commerce, nous avons l'informel qui est très important. Voilà, nous ne maîtrisons pas, il faut le reconnaître, tous les services de commerce dans la ville de Niamey. Voilà, donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est communiquer, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, ce qu'on peut faire, c'est discuter avec les organisations syndicales et associatives de ces commerçants pour qu'ils rappellent les commerçants là à l'ordre. Maintenant, si par inspection, on prend quelqu'un dans ces situations pas correctes, bien sûr, ces personnes seront sanctionnées. Tout à fait. Je vous pose une question. Il y a un auditeur qui nous écrit justement par rapport à ces mesures. Je vais vous faire commenter cette question, Monsieur le Président. Le port du casque est une bonne chose, mais franchement, les autorités l'ont réinstitué pour accroître les revenus de la douane en taxant 3 000 francs le casque, ce qui fait que le prix a grimpé au lieu d'un allègement de taxes douanières. Signé Monsieur Sidbé qui nous suit actuellement. Monsieur le Président, comment vous commentez ce message? Ça, c'est son point de vue. Moi, ce n'est pas ça. On n'a pas pris cette mesure pour nous, mais ce n'est pas possible. Voilà. Maintenant, on peut dire que cette mesure a eu de telles conséquences. Mais nous, le résultat qu'on vise, c'est la protection des biens et des personnes de la capitale. Et je pense que de son point de vue, la mesure, elle est juste. La mesure, elle est pertinente. Mais la mesure a d'autres conséquences sur beaucoup d'aspects. Peut-être que qui ne ressort pas, nous, de notre compétence. Bon, voilà, sur ces choses, je ne peux pas faire de commentaires, mais je peux tout de suite répondre à la personne qui a posé cette question. La mesure ne vise pas à enrichir X ou Y, ou telle structure. Non, la mesure vise essentiellement à discipliner et à protéger, à mettre notre population en sécurité. En sécurité. Justement, parlant de protection de la population, la mesure de port de casque, au-delà de l'imposition que nous croyons, c'est aussi une bonne chose. Nous allons suivre un reportage qui nous montre également les bienfaits, les avantages du port de casque et de la ceinture de sécurité. Port de casque et ceinture de sécurité, loin d'être un simple décor, est un bienfait et une prévention pour les usagers en cas d'accident. La mesure d'abord pour le port du casque. Le casque étant un matériel vraiment vital. Ça permet, en fait, en cas d'accident, de pouvoir protéger la partie, en fait, la tête de la victime. Concernant la ceinture de sécurité, elle est aussi très vitale et voilà pourquoi elle est au niveau de tous les véhicules. Vous avez remarqué que
tous les véhicules possèdent une ceinture de sécurité en fonction des places assises. Et ce n'est pas pour rien que cette ceinture de sécurité a été mise, c'est pour éviter qu'en cas de choc, en cas d'accident, que la personne ne puisse pas... En fait, ça permet d'immobiliser la personne qui subit le choc. Parce qu'une personne qui subit un choc et qui ne porte pas sa ceinture de sécurité se transforme sous forme de... C'est comme si c'est un projectile. Vous allez voir, soit c'est la tête se cogne au niveau de la pare-brise, ou bien la tête se cogne sur les sièges de devant. Selon les services techniques du ministère du Transport, en moyenne, 800 personnes perdent la vie sur nos routes, faisant du Niger l'un des premiers pays en Afrique où le taux d'accident est le plus élevé. Il constitue 37% du taux d'accident dans les pays de la CEDEAO. Le port de la ceinture de sécurité et du casque permettra de réduire le taux d'accident. Bien, on vient de suivre ce reportage qui nous fait cas des bienfaits du port du casque et de la ceinture de sécurité. Le temps de lire également quelques messages qui nous sont adressés de la part de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Madame Soba Fatima nous écrit, Assalam, bon, à travers Bonferré, j'encourage le président de la délégation spéciale à persévérer davantage dans le droit chemin, car qui sauve une vie recevra le bien dans l'autre monde, surtout quand on est responsable. C'est signé Madame Soba Fatima. Un autre message qui nous parvient de Mohamed. J'ai vraiment des questions pour vous, le président de la délégation. Est-ce qu'on peut faire des appels? Je pense qu'il n'est pas, il ne suit pas. Il demande s'il peut appeler. J'ai lu ce dernier message. Bonjour, Monsieur le Président. Concernant l'application de la loi, on constate deux poids, deux mesures. Beaucoup de policiers ne sont pas en règle, pas de plaque, ni assurance, ni vignette. Car cela se remarque au niveau de leur moto, sur les carrefours et dans le commissariat. Que comptez-vous faire pour corriger cette injustice? Je ne sais pas si le Président peut répondre à cette question. D'abord, ce n'est pas le sujet. Peut-être qu'en lien avec le port de casque et de ceinture, nous avons fait quelques enquêtes avant de prendre la mesure. Nous avons adressé une note à tous ceux qui militaires, police, mais aussi au niveau de tous les ministères en charge de l'éducation pour instruire non seulement, en tout cas, les porteurs de tenue, mais aussi les élèves à respecter cette mesure. Parce qu'une enquête a révélé que plus ces groupes qui ont du mal à respecter. Donc nous avons fait ce travail en amont. Et je pense que ça a été respecté. Ça a été très bien respecté. Okay. Et du coup, cela nous a en tout cas facilité la tâche pour étendre l'application au reste de la population et que les porteurs de tenue donnent l'exemple et nous aider, nous appuyer à faire appliquer cette mesure. Bon, voilà. Maintenant, sur sa question, je pense que c'est pas le sujet. Ok. Nous allons passer au deuxième volet de cette émission, notamment ce qui concerne également l'interdiction de la consommation de la substance. Bien avant, nous allons donner la parole au sociologue. On a parlé de manière générale des mesures de port de casque. En tant que sociologue, votre lecture sur le terrain au regard de tout ce qui vient d'être dit. Comme je l'ai dit au début, le port de casque est une réalité. Mm-hmm. Quand tu rentres à Niamey, tu remarques le casque sur toutes les têtes pour les motocyclistes. On peut aussi constater, c'est encouragé. Personnellement, je trouve que c'est une très très bonne chose. Parce que les gens ne savent pas à quoi ça peut leur conduire que d'avoir un accident sans casque ou sans ceinture de sécurité. Mais ceux qui le savent doivent les mettre sur le chemin. C'est un aspect, c'est quelque chose à encourager. Maintenant, il faut persévérer dans l'éducation, la sensibilisation, etc. Mais aussi la sanction s'il le faut, pour que les gens puissent y mettre. Et je suis sûr et certain, comme il l'a dit, il y aura un jour où ce serait facile pour tout le monde de le faire. Aujourd'hui, si je rentre sans ceinture de sécurité dans un véhicule, je suis gêné, je sens comme si quelque chose me manque. Je ne me sens pas en sécurité. Et j'espère que ça va arriver pour tout le monde, comme ça, pour les casques et tout. Quoi. Normalement, il faut juste persévérer. Persévérer, justement. Pour rapporter un témoignage d'un de nos téléspectateurs la semaine passée, il dit aujourd'hui, quand il se retrouve au Niger, il a l'impression d'être dans d'autres pays, notamment le Bénin,
le Togo. Quand vous partez, ce qui frappe, c'est que les gens appellent les ébidiens, les mototaxis, tout le monde est en casque. C'est devenu une habitude et les gens, finalement, ils se sont adaptés à cela. Ils souhaitent que cela puisse être continuel dans le cadre également de notre pays de manière générale, au-delà de Niamey, comme il avait dit. Alors, nous allons passer au deuxième volet, je l'ai annoncé. L'interdiction de la consommation de la chicha à Niamey. Monsieur le Président, nous vous avons vu dans la rue la nuit du samedi 3 novembre, je pense bien. Vous et votre staff, vous avez un peu sillonné quelques places publiques. Vous avez trouvé des jeunes gens en train de prendre la chicha. Sur les images, nous vous avons vu, en termes de sensibilisation, les matériels ont été confisqués. Nous allons d'abord suivre ce reportage, ensuite on revient et on vous pose des questions sur ce deuxième volet également qui vise à protéger les populations, notamment les jeunes dans la capitale, notre capitale, Niamey. Face à l'ampleur que prend la consommation de la chicha, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a pris une décision le 7 septembre interdisant sa consommation dans les espaces publics et au niveau des endroits aménagés de la ville de Niamey. Cette décision est appréciée par certains jeunes. C'est quelque chose qui nuit à la santé, donc c'est pas du tout bon. On va cesser de prendre la chicha parce qu'il y a des effets secondaires. Elle est tout à fait bonne, moi je suis pour 100%, oui. Oui, c'est une bonne idée de les interdire, vraiment. Parce que c'est une mauvaise habitude, c'est pas bon quoi. Vraiment, l'appel que j'ai à les parents de lancer et de mettre leurs enfants sur une bonne voie, vraiment, de bien les éduquer. C'est pas bon de voir le chat sur la route, venir voir comme si c'était de la nourriture, vraiment, c'est pas bon. Conscient des dangers liés à la consommation de cette substance, certains jeunes, par contre, estiment que ceux qui sont en train d'en consommer doivent se ressaisir et trouver d'autres préoccupations. C'est pas bon de prendre le chicha, c'est parce que, en effet, on dit celui qui prend celui qui fume un bout de chicha, celui qui fume un chicha et celui qui fume deux paquets de cigarettes, la personne est plus élevée que la personne qui a pris le chicha. Donc, à mon avis, c'est pas bon de prendre le chicha. Au-delà de cette interdiction, il est plus que nécessaire que cette décision soit élargie aux FADA et autres lieux de rencontre des jeunes. Une limitation, voire interdiction d'importation de ce produit contribuera efficacement à la lutte contre la dégradation de nos mœurs et à la préservation de la santé des populations, notamment les plus jeunes. En retour sur ce plateau, Monsieur le Président, j'ai envie de vous poser une question un peu ironique. Pourquoi vous empêchez aux jeunes de prendre la chicha? Parce qu'elle est mauvaise, cette consommation. Parce que nous avons besoin de cette jeunesse. Nous avons besoin d'une jeunesse constructive. Une jeunesse qui va s'adonner au développement de la société. Malheureusement, la consommation de chicha ne rime pas avec cette volonté exprimée. Parce que tout simplement, la chicha de base, d'abord, ce n'est pas une tradition de Niamey, ce n'est pas une tradition du Niger. C'est une tradition qui vient d'ailleurs. Je ne vois pas en quoi cela va entraver nos mœurs. Je ne vois pas en quoi cela va nous privés de notre jeunesse. Niamey est majoritairement jeune et je pense aussi qu'il est de notre responsabilité d'encadrer cette jeunesse par la communication, par la sensibilisation. S'il faudrait, certains, nous allons les forcer, entre guillemets, parce que tout simplement, cette mesure, nous l'avons prise depuis le 7 septembre. On a assez communiqué là-dessus. Et je pense que maintenant, on a passé à la vitesse supérieure pour intervenir. Nous avons d'abord identifié tous les endroits de consommation et la police fait son travail de l'application de cette mesure. Et il vous souviendra aussi que le ministère de Commerce a pris une mesure d'interdiction de la vente du commerce, de la commercialisation de la chicha. Donc nous, au niveau de la ville, nous allons vraiment faire respecter ces mesures-là et nous sommes en train de faire le travail sur le terrain pour vraiment aider cette jeunesse-là à s'orienter vers les
des actes beaucoup plus responsables et qui va leur permettre aujourd'hui ou demain d'être vraiment des vrais responsables. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous avez fait le terrain, vous allez remarquer que cela est très destructif pour notre société, pour notre jeunesse. Et il est grand temps d'agir et de les aider à sortir de ces mauvaises pratiques. D'accord, on a compris le message. Docteur Kalilou, la consommation de la chicha à Niamey de manière générale, un phénomène de société, un phénomène social, quelle lecture vous en faites? Ça prend de l'ampleur, on le constate également. En réalité, tout phénomène qui concerne la jeunesse s'amplifie rapidement. C'est l'effet du conformisme. Les gens, ils voient, ils imitent. Et eux, ils ne savent pas, certains ne savent, ils n'y pensent pas. Ils ne pensent pas réellement au danger. C'est que l'autre a fait, je vais essayer. C'est une phase de la vie où on aimerait, on n'est plus curieux, on veut essayer tout. Et du coup, facilement, ça passe. Dès que quelqu'un a pris, il en parle à un autre aussi, veut faire, etc. Ça m'a surpris de constater facilement à Niamey le changement. Les gens chicha partout, des jeunes qui ne fument pas, mais qui se lancent dans la chicha. Je me dis, c'est parce que certainement, ils ne savent pas à quoi ils sont exposés. Et c'est la responsabilité de ceux qui savent de leur dire et de les amener à laisser. Parce que comme il a dit, nous avons besoin d'une jeunesse quand même qui est en bonne santé physiquement, mais mentalement aussi. Et si chaque chose qui vient, ils peuvent se lancer. Et puis voilà, si on ne les arrête pas, ils n'arrêteront pas. Eux-mêmes, d'eux-mêmes, parce qu'ils ne voient pas. Et avec l'habitude, voilà, ça peut se retrouver partout. Franchement, j'étais surpris. Et puis d'un coup, bon, c'est vrai que maintenant, on n'en voit pas beaucoup. J'en connais dans mon quartier, et puis d'un coup, je ne vois plus personnellement, mais en tout cas, on peut en rencontrer souvent des jeunes qui prennent encore la chicha. Alors, un jeune qui s'adonne à la consommation de la chicha, vous ne pensez pas que c'est un problème d'éducation? Parce qu'on voit même les filles aujourd'hui, les filles s'adonnent, nous avons fait des émissions sur ça. Les filles aujourd'hui s'adonnent à cette consommation, que ce soit oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème d'éducation? On va en revenir aux responsabilités. Les autorités ont agi, le côté familial également. Les parents ont démissionné. Votre lecture en tant que sociologue aussi. Bien sûr, les jeunes, ce sont des gens qui ont besoin d'être encadrés. Et ils ont besoin. L'étape, c'est une étape de la vie où ils ont besoin d'être encadrés. C'est-à-dire, si on les laisse d'eux-mêmes, ils ne savent pas, souvent ils ne connaissent pas les dangers des choses, ils ne savent pas à quoi ils sont exposés, etc. Eux, ils tentent. Ils pensent que c'est cela la vie. S'ils n'ont pas eu des parents qui les encadrent, ils n'ont pas, à l'école, on ne leur en a pas parlé, ils n'ont pas vu dans la société des personnes qui leur en parlent, etc., mais ils vont le faire et ils ne vont pas trouver cela en cela un mal. Donc ce n'est pas du tout normal, à mon avis, parce que ça pose un problème de santé, mais aussi un problème d'hygiène. Hygiène, tout simplement, venir passer le même dans la bouche de tout le monde, c'est vraiment sérieux. Et les parents, ils doivent vraiment prendre leurs responsabilités et accompagner les autorités dans cette application, parce que pour moi, c'est vraiment mauvais. C'est ça. Et un jeune qui se lance dedans, peut-être qu'il n'a pas compris. Donc, monsieur le Président, vous avez agi. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des parents aussi, en termes d'accompagnement, à vous aider à préserver cette jeunesse-là? Moi, je veux dans la continuité de son propos que je partage absolument. Il faut une complémentarité entre les autorités et les parents. Alors, au niveau de la ville, on prend en charge la question dès lors que les enfants se trouvent dans les espaces publics en dehors des ménages. Mais à l'intérieur des ménages, nous ne savons pas ce qui se passe. Et à ce niveau, je pense que nous interpellons les parents à beaucoup plus de responsabilités sur ces enfants. En tout cas, à les encadrer et à les amener à des bonnes pratiques. Le deuxième aspect que je voudrais ajouter sur la consommation du chicha, c'est les dérives. C'est que c'est pas seulement beaucoup utilisent pour mettre d'autres substances dans la chicha et cela est très grave. Oui. C'est très grave. Et je pense la meilleure solution, la solution ultime, c'est de l'arrêter sous son pied, de l'interdire. Et c'est quelque chose qui est venu nouvellement dans notre société. Il est inadmissible qu'on ferme les yeux, il est inadmissible qu'on laisse notre société se transformer de cette manière. Et je crois que, au-delà de la responsabilité collective, il y a aussi des responsabilités individuelles.
les acteurs, les parents, les autorités, mais vous aussi, de la presse. Moi, je vous félicite déjà à travers ces auditions. Vous êtes en train de favoriser, d'apporter votre contribution dans la sensibilisation, dans la communication en vue du développement des bonnes pratiques dans notre société. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie vraiment d'encourager et avant tout de vous féliciter. Merci, M. Et de la pertinence d'organiser ces genres de rencontres sur des sujets aussi importants, des sujets de société. Ouais. Voilà des questions que vous devrez continuer à développer et pour que nous puissions en tout cas sortir des mauvaises pratiques et développer des bonnes pratiques pour vivre bien dans notre société. D'accord. Un auditeur inclus de cœur, Monsieur le Président. L'essentiel de nos questions sont aujourd'hui adressées à Monsieur le Président. On nous demande pourquoi ne pas interdire définitivement l'importation et la vente de la chicha. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Cela est possible et c'est en bonne voie. En bonne voie. D'accord. Mais c'est le commerce a pris une mesure et progressivement, en tout cas, nous tendons vers cela. D'accord. Il y a une deuxième question qui va dans le même sens. Prendre des mesures pour les points de vente et la consommation, notamment les palais de chicha qui existent dans la ville de Niamey. Vous avez fait quand? On vous a fait le point, vous avez identifié les places, les endroits de consommation. C'est tellement que vos hommes sont en train de travailler sur le terrain également. Nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous est imparti, Monsieur le Président. Nous avons fait un débat porté essentiellement sur deux volets. Alors, ce que l'esprit peut-être mal informé pourrait penser, on peut penser que ces mesures que vous êtes en train de prendre rentrent dans la droite ligne de l'organisation du sommet UA 2019. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Pas du tout. Pas du tout. Qu'il y ait sommet ou qu'il n'y ait pas sommet, ces mesures, nous allons les prendre. Et vous allez voir, après le sommet de l'UA, nous allons continuer à faire respecter ces mesures. Nous sommes dans une société et nous n'allons pas gérer cette société pour un événement. Nous gérons cette société pour la vie, pour tout le temps. Non, non, mais bien sûr, quelque part, le sommet a l'avantage de se faire dans des conditions meilleures, pourquoi pas. Mais le but, ce n'est pas le sommet. Oui. D'accord. Le but n'est pas le sommet, on l'a compris. Le but, donc, c'est la protection des populations et des usagers de manière générale. Docteur Kalilou également, vous en tant que sociologue, les mesures qui sont là, elles sont prises. L'objectif est là, comme je l'ai répété, il est connu. Un message à l'endroit des populations. Alors vous, en tant que sociologue, il y a un travail de fond. C'est quoi? Un travail d'accompagnement de nos autorités, surtout du côté familial. Aujourd'hui, vous avez fait cas de cela. Les parents ont démissionné dans l'éducation des enfants aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des mesures, des pistes de solutions, je veux dire, que vous pouvez proposer aujourd'hui à nos autorités, en plus, de sorte qu'ils puissent également s'imprégner de ces mesures-là pour davantage intensifier la protection des populations. En tout cas, je remercie Monsieur le Président pour les initiatives. C'est vraiment bien parce que notre société a vraiment besoin de réformes. Les réformes sont nécessaires. À l'heure actuelle, à l'allure où nous allons, si nous ne nous arrêtons pas sur certaines questions, pour mettre point d'arrêt et prendre d'autres chemins, nous n'allons pas nous en sortir. Et je pense que pour ces questions-là, c'est vraiment important. Chicha, port de casque, ceinture, je vois la ville aussi, des endroits, ça change, etc. La salubrité. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. En tout cas, la question de la sécurité avait été débattue ici aussi, des individus, c'est des questions sur lesquelles il faut aller. C'est extrêmement important. Maintenant, la question d'éducation, il faut aussi des réformateurs sur cet aspect. C'est extrêmement important aujourd'hui parce qu'on se fatigue à sensibiliser des adultes alors qu'on avait la possibilité de le faire quand ils sont dans le circuit de l'école, par exemple pour ceux qui passent par l'école. Pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas certains principes dans notre école pour que les gens l'apprennent? Il faut réformer. On a besoin de ces réformes-là. Et aussi, nous avons nos télévisions qui peuvent beaucoup communiquer. Je me dis, la ville, la délégation de la ville de Niamey doit avoir une plage sur Télé-Sahel, Orten, etc. Ouais, sur la voie de Sahel, parler, sensibiliser les gens sans que... Bon, tout est commercial aujourd'hui, alors que pour des questions de société, je pense qu'on a besoin vraiment d'accompagnement. Sur ces questions, c'est extrêmement important. Moi, j'ai pris aussi l'engagement depuis au moins 10 ans de ne jamais jeter de sachets plastiques dans la rue.
merci. Depuis, on ne m'a pas imposé. J'ai compris que je dois le faire. Je sensibilise les gens dans ce sens. Ne jetons pas de plastique dans la rue. Et c'est parce que je l'ai compris qui me l'a fait comprendre. Donc, si aujourd'hui, on nous l'impose, mais en même temps qu'on nous fait comprendre, je pense que c'est plus facile. Mais le circuit de l'éducation familiale et de l'école, c'est encore plus facile pour nos jeunes. Mais on ne le fait pas, on rattrape à un certain âge. Je pense que c'est du gâchis. Et si seulement nos autorités peuvent prendre conscience que les changements de comportement, en tout cas pour tous ceux qui passent à l'école, on peut l'induire au sein de l'école. Ceux qui n'y passent pas, on peut avoir d'autres moyens. Mais si tout le monde doit bénéficier des mêmes moyens, je pense que c'est du gâchis, à mon avis. À votre avis, justement, c'est l'un des propositions, l'une des propositions d'un de nos téléspectateurs qui nous écrit seulement ces mesures peuvent être efficaces si la discipline dont parle M. le Président est enseignée à l'école, signée Maïna Sall. On pense, M. le Président, que l'une des mesures d'accompagnement efficaces également, c'est de voir la possibilité d'instaurer ces mesures dans le circuit de notre éducation dès le primaire. C'est l'une des propositions. Alors, M. le Président, on va prendre votre mot de la fin. La population de Niamey vous suit, les Nigériens vous suivent de manière générale. Quel message avez-vous à leur donner? Des mesures, vous êtes en train de travailler. Nous avons reçu beaucoup de messages qui vont dans le sens de vous encourager à davantage continuer dans cette logique de protection des populations, d'assainissement de notre capital, etc. Seulement, on vous dit, concernant les sachets plastiques, il n'y a pas de poubelle dans la ville de Niamey. Seulement, on ne voit que des dames qui nettoient, mais il n'y a pas de poubelle dans le long des artères également. Ça, c'est une proposition. On va prendre votre mot de la fin, Monsieur le Président. Globalement, quel message avez-vous à adresser en termes de mot de la fin à la population, à nos téléspectateurs qui nous suivent? Ceux qui nous suivent, je les remercie en tout cas de l'attention et de l'intérêt qu'ils portent à ce qui se passe dans la ville de Niamey. Les autres questions, peut-être qu'on aura d'autres occasions et d'approfondir les idées là-dessus. Je voudrais dire que aujourd'hui, l'éducation urbaine, le changement de mentalité, la discipline des populations est une priorité au niveau de la délégation spéciale. C'est très important, quel que soit le travail que nous allons effectuer ou que nous effectuerons, tant qu'il n'y a pas ce changement de mentalité, tant qu'il n'y a pas la discipline chez les populations, on aura du mal durablement à réussir nos actions. Et c'est pour cela que de plus en plus, nous sommes sur ce registre de discipline et de mesures et de faire respecter des mesures sur des questions de société qui entravent le bon fonctionnement de cette société. Et pour cela, le message que je porte à la population de Niamey, c'est que ce n'est pas seulement la responsabilité de la délégation spéciale, ce n'est pas seulement la responsabilité de la ville de Niamey, mais c'est une responsabilité partagée. Il faut donc que chacun se sente concerné et chacun et chacune se pose la question, qu'est-ce que moi je fais dans le sens d'une construction d'une société positive. Qu'est-ce que moi je fais pour le développement de ma société? Qu'est-ce que moi je fais pour que des enfants ne consomment pas chicha? Qu'est-ce que moi je fais pour que tout le monde porte son casque? Qu'est-ce que moi je fais pour que tout le monde porte sa ceinture de sécurité? Qu'est-ce que moi je fais pour que personne ne jette des ordures dans l'espace public? Qu'est-ce que moi je fais pour que personne ne jette des déchets solides dans les caniveaux? Etc., etc. Je pense qu'on a besoin de cet investissement chez la population de Niamey. Je pense qu'il y a, si on arrive à avoir ce sursaut d'une prise de conscience et d'une implication manifeste de toute la population de Niamey, nous allons arriver sans doute à la société que nous avons souhaitée, la société rêvée. Faire vraiment de la ville de Niamey une ville où il fait agréable, une société dans laquelle, en tout cas, tout le monde sera bien, un cadre de vie qui sera meilleur. Vraiment, c'est l'appel que je vais lancer et leur dire tout l'engagement de la ville de Niamey à leur rendre service, à les accompagner, à leur apporter le nécessaire pour qu'ils vivent bien dans la capitale de Niamey. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que, docteur, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou bien je pense que ça va.
Ok, docteur, merci bien. Nous avons reçu beaucoup de messages de la part de nos téléspectateurs. Malheureusement, nous ne serons pas à mesure de les lire. Il y a Mme Absatou Mayehati qui nous écrit. Les messages, nous ne pourrons pas les lire. Nous nous en excusons, défaut de temps. Inch'Allah, la semaine prochaine, on se donnera rendez-vous pour une nouvelle thématique. Nous espérons avoir toujours la disponibilité de M. le Président pour des questions qui concernent les populations de Niamey et qui sont en rapport avec votre département. Chers téléspectateurs, nous vous disons ici merci de nous avoir suivis. Le message, nous l'avons compris, il s'agit du bien-être de notre société, du bien-être de notre population, la protection. Au-delà de ces mesures, c'est des mesures de civisme, porter sa ceinture de sécurité, porter son casque. Nous devons être conscients que c'est pour notre propre sécurité, c'est pour notre propre protection. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous, chers téléspectateurs. Monsieur le sociologue Kalilou, merci d'avoir été des nôtres. Monsieur le Président, grand merci à vous. Merci. Au nom de l'Association des étudiants musulmans du Niger également, je vous adresse tous nos remerciements. Au nom du groupe de Radio-Télévision Bonferré, tous nos remerciements également. On gardera le contact, Inch'Allah Ta'ala. Restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. D'ici là, je vous souhaite un bon après-midi. Dieu vous protège, que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.